Je sais pas si je me pose. Ouais, je vais me poser comme ça, limite. Attends, je vais essayer de poser ça bien. Bah, c'est compliqué parce qu'au final, contrairement à un mec qui va être. Dans un groupe qui va être guitariste, qui ou ils viennent vraiment présenter des morceaux que eux ont composés, donc ça les représente complètement. Moi, je suis pas producteur de musique, je fais juste jouer les morceaux des autres. Donc finalement, le vrai travail, ça va être sur le travail d'une playlist, d'une setlist, choisir les différents morceaux. Monter cette playlist pour pouvoir un peu balader les gens un peu comme je le veux. Il y en a un à chaque fois en fait, et souvent je le mets en fin de set. C'est un morceau de General Levy qui s'appelle Incredible. Yo, qui est un morceau qui a été fait dans les années, je sais pas, peut-être 94, un truc comme ça. Et c'est un classique Ragga Jungle, vraiment classique, classique. Là, sans surprise, le dernier album de Nausea qui est juste monumental, et déjà sur les précédents, les gars étaient précurseurs d'un truc, et encore une fois, là, ils sont arrivés et ils ont mis la claque à tout le monde. Bah dans un délire un peu différent, un peu plus rock, un peu plus soul, j'ai écouté énormément Alabama Shakes, j'ai beaucoup aimé le dernier album. Dans un délire plus soul music, je sais que là j'ai rincé l'album de Modaphonix. Voilà, c'est des trucs qui, au-delà de la drum and bass, me font marrer et pour lesquels je prends plaisir à écouter.